Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour passer ensemble ce moment de prière. Je suis le serviteur Axel. Nous allons prier ensemble ce matin. Bien-aimé, je veux croire que ce jour te réserve des surprises. Je veux croire que ce jour te réserve des bénédictions agréables du Seigneur. Je veux croire que la grâce du Seigneur est sur chacun de vous. Je veux croire que les bontés du Seigneur ont été renouvelées encore, tandis que vous voyez encore sur vous la lumière du soleil. Je voudrais qu'ensemble nous puissions contempler les bontés de notre champion, contempler la miséricorde de notre Dieu, contempler les grâces et les faveurs divines qu'il a bien voulu nous accorder encore, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, te souviens-tu de toutes ces choses que le Seigneur a réalisées à ton endroit? Si tu te souviens de ces choses, quelle que soit la durée qu'elles ont prise, demande encore ce matin l'opportunité à Dieu de te donner la capacité de reconnaître sa bonté dans ta vie, de te donner la capacité de reconnaître ses grâces, ses faveurs, de te donner la capacité de lui dire merci encore. Ouvre ton cœur ce matin pendant que nous préparons ce moment de prière. Ouvre ton cœur en reconnaissance à notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Bien-aimés, c'est une merveilleuse opportunité qui nous est donnée encore ce matin de lever la voix tous ensemble. Quelle que soit ta position géographique, quel que soit l'état de ton cœur ce matin, je t'invite à élever la voix et à célébrer le nom de ton Dieu. C'est avec cette chanson de Nathaniel Bassé que nous avons commencé notre moment de prière. Nathaniel Bassé parle de son champion. Je veux croire que le Seigneur, notre Dieu, est ton champion tel qu'il est pour ce merveilleux artiste. Je veux croire que le Seigneur a réalisé des défis importants dans ta vie et il t'a mené jusqu'au bout. Il a fait de toi un vainqueur et c'est parce que notre Dieu a fait de nous des champions que lui, il est notre champion. Mon frère, ma sœur, ouvre ta voix ce matin et adore ton Dieu. Aussi longtemps que l'esprit peut t'inspirer, aussi longtemps que les paroles peuvent venir du fond de ton cœur pour exprimer ta reconnaissance à ton Dieu, je t'invite ce matin à ouvrir ta bouche et à lui dire merci. Merci Seigneur de faire de moi un vainqueur. Merci Seigneur de faire de moi un champion. Merci Seigneur de m'avoir donné l'opportunité de vivre. Merci Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de ton serviteur ce matin. Prions ensemble. Que la gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées, créateur de l'univers. Que la gloire te soit rendue pour la minuscule personne que je suis par ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'opportunité que les rois n'ont pas eue. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'opportunité que des princes n'ont pas eue. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'opportunité que des riches n'ont pas eue. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'opportunité que des puissants n'ont pas eu celui de voir encore la lumière du jour ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu es grand. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu es puissant. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu es omnipotent. Tu es omniprésent, Seigneur. Ta grâce est infinie sur ma vie. Je suis venu reconnaître tes bontés. Je suis venu reconnaître tes grâces. Je suis venu reconnaître ta miséricorde qui s'étend, Seigneur, depuis ma naissance jusqu'à ce moment. Je te bénis. Ô Dieu, parce qu'il t'a plu de me garder parmi les vivants. Je bénis ton nom, Père éternel, parce qu'il t'a plu de faire de moi une personne, Père éternel, aimée, une personne, ô Dieu, choisie, une personne, ô Dieu, privilégiée. Merci Seigneur, parce que ta grâce est sur moi. Merci Seigneur, parce que ta faveur est sur moi. Merci Seigneur, parce que ta miséricorde demeure sur moi. Ô Dieu, je ne peux me taire, car ta vie, ô Dieu, est un modèle pour moi. Je ne peux me taire car ta mort, ô Dieu, est un exemple pour moi. Je ne peux me taire, Père éternel, devant un sacrifice aussi glorieux, un sacrifice aussi miséricordieux, un sacrifice aussi déterminant que celui que tu as bien voulu prendre, ô Dieu, pour me rapprocher de tes pieds, pour me rapprocher de la croix, pour me rapprocher de ton sein, pour me rapprocher, Seigneur, de ton royaume. Je suis venu exprimer ma reconnaissance ce jour. Je suis venu exprimer ma gratitude avec mes frères, avec ma famille. Nous sommes venus encore ensemble ce matin pour te dire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Prince de paix, reçois la gloire, Père éternel, reçois la gloire, Seigneur des Seigneurs. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, ô Dieu, nous serions perdus quelque part. Ô Dieu, nous n'imaginons même pas. Seigneur, c'est grâce à toi que nous avons pu lever la tête. Moi particulièrement, j'ai pu lever la tête grâce à toi. Malgré mes nombreuses infidélités, ô Dieu, tu n'as pas daigné regarder à mon péché, mais tu as permis, ô Seigneur, Dieu de grâce, que je puisse encore me prosterner au pied de ta croix, que je puisse encore me prosterner devant ta face. Et l'Éternel est exprimé. Tous mes regrets, d'exprimer toute ma gratitude par rapport aux choses que tu as faites pour moi, par rapport aux choses que tu as faites pour ma famille, par rapport aux choses que tu as faites pour mon entourage, par rapport aux choses que tu as faites pour mes proches. Alléluia à toi, Seigneur. Mon cœur t'élève ce matin, mon cœur t'élève ce matin et te dit, Père éternel, que tu mérites toutes choses dans le précieux nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de m'associer à vous ce matin pour pouvoir prier ensemble. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, mais mon désir est que le Seigneur t'entende. Je ne sais pas quel est l'état de tes pensées, mais mon désir est que le Seigneur agrée ton sacrifice alors que tu te lèves, alors que tu te dédies
à ces moments particuliers ensemble, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Nous, ma prière ce matin est que le Seigneur entende tes supplications. Alors nous allons prier et demander à Dieu d'enlever tout ce qui peut empêcher que nous puissions parler directement à son cœur, d'enlever tout ce qui peut empêcher qu'il entende nos requêtes ce matin, d'ôter tout ce qui peut être un frein à l'exaucement de nos prières. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que ton oreille n'est pas courte, Père éternel, pour écouter nos plaintes. Mais Seigneur, notre désir ce matin est que tout ce que nous allons t'adresser comme prière arrive. Arrive, Seigneur, à ton cœur, afin que tu puisses trouver la solution à nos besoins, afin que tu puisses être la solution à nos besoins, afin que tu puisses restaurer les cœurs brisés, afin que tu puisses reconforter les personnes découragées, afin que tu puisses apporter la guérison, Père éternel, au corps affaibli par la maladie, afin que tu puisses apporter la solution aux personnes troublées par d'incessants problèmes, quelle que soit leur nature. Mon Dieu et mon roi, je viens encore ce matin exprimer, Père éternel, mon désir de parler à ton oreille. Écoute-nous, Jésus, écoute-nous, Prince de paix, écoute-nous, Père céleste, car notre venue ce matin, Seigneur, prouve que nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur, vers qui nous tourner. Nous n'avons que toi. Nous ne désirons que toi, Seigneur. Nous n'espérons qu'en toi, Seigneur. Nous ne croyons qu'en toi, Seigneur. C'est pour cela que nous venons avec le cœur chargé. C'est pour cela que nous venons avec le cœur rempli. Nous déverser au pied de ta croix. Nous déverser au pied de ta croix. Nous déverser au pied de ta croix et te dire, Seigneur, que toi seul mérites notre louange, toi seul mérites notre adoration. Seigneur, si nous avons été trouvés dignes de vivre, aussi, Père éternel, nous pensons que tu nous trouves, Père éternel, capables de venir vers toi, de venir vers toi avec nos cœurs chargés, de venir vers toi avec nos fardeaux, de venir vers toi avec nos pensées confuses, de venir vers toi avec nos inquiétudes, de venir vers toi, Père éternel, avec notre amertume, de venir vers toi, Père éternel, avec nos interrogations, de venir vers toi, ô Jésus-Christ, pour soumettre à tes pieds tout ce que nous ne pouvons porter, tout ce que nous ne pouvons faire, tout ce que nous ne pouvons dire, tout ce que nous pouvons, Père éternel, accomplir, car tu es notre Dieu. Et c'est vers toi que nous voulons déposer nos fardeaux. Tu l'as dit, Père éternel, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre désir ce matin, c'est de trouver en toi le repos. Notre désir ce matin, c'est de trouver en toi le réconfort. Notre désir ce matin, c'est de trouver en toi la force. Notre désir ce matin, c'est de trouver en toi, Père éternel, la vie. De retrouver en toi, Père éternel, le souffle qui nous ranime. De retrouver en toi, Père éternel, le souffle qui nous ravive. De retrouver en toi, Père éternel, le souffle, ô Dieu, qui nous remplit à nouveau de force et de force et d'exaltation, Père éternel, pour servir ton nom, pour crier ô tes bienfaits, pour dire Hosanna, Hosanna à celui-là qui vit à jamais, pour dire Hosanna, Hosanna à celui-là qui nous a sauvés, pour dire Hosanna, Hosanna à celui-là qui nous a conduits, pour dire Hosanna, Hosanna à celui-là qui nous a donné, Père éternel, encore la capacité de vivre. La capacité de vivre, la capacité de vivre. Merci à toi, Père éternel, parce que tu règnes à jamais. Merci à toi, Seigneur, parce que tu vis à jamais. Merci, Père éternel, parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu règnes, Père éternel. Merci parce que tu vis à jamais. Qui est semblable à toi, Père éternel? Qui est bon comme toi, Seigneur? Qui est fidèle comme toi, Père éternel? Tu nous as fait du bien. Au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, Jésus, car tu règnes à jamais. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, de recevoir, Père éternel, un seul regard de toi. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, d'avoir, Père éternel, une seule de tes faveurs. Mais, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, tu nous acceptes malgré nos infirmités. Tu nous acceptes malgré notre impureté. Tu nous acceptes malgré notre saleté. Tu nous acceptes, Seigneur, au pied de ta croix. Sois adoré, Seigneur Jésus. Sois adoré, Prince de paix. Sois adoré, Seigneur des Seigneurs. Nous sommes heureux de t'avoir. Mes frères et moi, nous sommes heureux de t'avoir, de partager nos souffrances, de partager nos douleurs, de partager nos peines que tu connais, Père éternel, et que tu attendes, ô Dieu, que nous puissions nous reposer à tes pieds. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre roi.
car tu es fidèle. Gloire à toi, notre Seigneur, car tu es juste. Tout ce que tu fais est si merveilleux. Nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur, et c'est pour ça que nous nous tournons vers toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur, c'est pour cela que nous attendons uniquement de toi. Nos soupirs, Seigneur, sont vers toi. Nos attentes et nos craintes sont sur toi, Père éternel, pour que tu viennes apporter la solution, pour que tu viennes apporter la délivrance, pour que tu viennes apporter la guérison, pour que tu viennes apporter le réconfort, Père éternel. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Toi seul es capable de tout faire. Toi seul es capable de tout faire. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais, Jésus. Nous bénissons ton nom. Béni sois ton nom, Jésus. 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 Tu es si bon, tu es si bon, Père éternel, il n'y a rien que tu ne puisses perdre. Tu es si bon, Père éternel, tu es si bon, Shaddai, tu es si bon, Père éternel, 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 tu es si bon, Prince de paix. Nous sommes là, Père éternel, pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là, Père éternel, pour aimer ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce privilège que le Seigneur est celui qui nous pardonne. Nous avons ce privilège que le Seigneur est celui qui nous ramène à lui. Aujourd'hui, nous avons la culpabilité qui ronge beaucoup d'entre nous. Et c'est à cause de cette culpabilité que nous nous éloignons de Dieu. C'est à cause de cette culpabilité que nous pensons qu'il n'est plus capable de faire pour nous. C'est à cause de cette culpabilité que nous pensons que nous ne sommes pas dignes de nous approcher à nouveau. C'est un sentiment normal, c'est un sentiment humain. Mais je voudrais nous rappeler que notre Dieu est fidèle. Je voudrais nous rappeler que notre Dieu est miséricordieux. Je voulais nous rappeler que notre Dieu est compatissant. Notre Dieu a horreur du mal. Notre Dieu a horreur du péché. Mais en même temps qu'il a horreur du péché, il est prêt à tendre la main. Est-ce que tu es prêt à attraper de nouveau la main du Seigneur ce matin? Est-ce que tu es prêt à traîner de nouveau le pan de sa robe ce matin et de te traîner au sol en disant « Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais ne regarde pas à mon péché. Regarde à cette âme que je suis. Regarde à cette femme que je suis. Regarde à cette personne qui vient pleurer, qui vient soupirer après son Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, mon frère, viens et soumets-toi encore au trône de sa grâce. Implore son pardon, implore sa miséricorde, implore sa grâce sur ta vie, afin qu'il efface ton péché, afin qu'il efface ton péché, afin qu'il efface tes iniquités, afin qu'il efface tes fautes. Au nom puissant de Jésus, je viens, Seigneur, je viens avec la honte, certes, mais je viens, Seigneur, je viens au devant de toi. Implorer ton nom, implorer ta faveur, implorer ta miséricorde, et te dis, Père éternel, que je n'ai que toi, et te dis, Père éternel, que sans toi je ne suis pas, et te dis, Père éternel, que sans toi je ne peux pas. C'est parce que je n'ai que toi, Seigneur, que je viens demander que tu pardonnes mon péché, que tu pardonnes mon infidélité, que tu pardonnes, Père éternel, mon incrédulité, que tu pardonnes le mal que je commets au jour le jour, sans toutefois m'en rendre compte, et parfois même de manière consciente. Je viens, Seigneur, te demander de pardonner, Père éternel, tout ce que j'ai eu à dire, tout ce que j'ai eu à faire, de pardonner, Père éternel, mon incrédulité, de pardonner, ô Dieu, ma méchanceté, de pardonner mes mensonges, de pardonner, ô Dieu, Papa, le mal que j'ai fait à autrui, de pardonner le mal que j'ai fait à mes frères, Père éternel, consciemment ou non, je viens implorer ton pardon, Jésus. Je viens implorer ton pardon, Jésus. Je viens implorer ton pardon, El Shaddai. Viens, Père éternel, par le sang que tu as versé sur la croix, lave-moi à nouveau, fais scintiller ma robe à nouveau, fais éclater ma robe, Père éternel, de blancheur à nouveau. Je prie non seulement pour moi, mais je prie, Père éternel, pour mes frères et sœurs, implorant ta miséricorde, implorant ta miséricorde, implorant ta miséricorde, implorant ta miséricorde. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu es merveilleux. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ô Dieu Tout-Puissant,
Touche le cœur de ta servante ce matin. Touche le cœur de ton serviteur ce matin. Lave, Seigneur, nos péchés. Lave, Père éternel, ce cœur noirci par le mal. Lave, Seigneur, ce cœur noirci par la rancœur. Lave ce cœur noirci par la haine. Lave ce cœur noirci par la jalousie. Lave ce cœur noirci par l'adultère. Lave ce cœur noirci, Père éternel, par l'incrédulité. Lave ce cœur noirci par les murmures. Lave-nous, ô mon Dieu. Dieu, mon roi, lave-nous, Père éternel, et donne-nous l'accès à nouveau à ton précieux royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon, comme je le disais depuis ce matin. Depuis le début de ce moment, je disais que notre Dieu est bon. Sa vitalité n'a pas, est sans pareil en fait. Sa grandeur est manifeste pour moi et pour toi jour après jour. Si tu as l'honnêteté de le reconnaître, alors tu es béni. Tu es béni parce que même dans la difficulté, tu vois la bonté de Dieu. Même dans la peine, tu vois la bonté de Dieu. Même dans la souffrance, tu vois la bonté de Dieu. Même quand tu trimes pour atteindre un objectif, tu vois la bonté de Dieu, car la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Alors, mon frère, je voudrais que tu dises à Dieu ce matin, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, quel que soit ce que je traverse. Je crois que tu es le Dieu qui fait. Je crois que tu es le Dieu qui accomplit. Je crois que tu es le Dieu qui se souvient. Je crois que tu es le Dieu qui veille sur ses promesses. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas regarder la pluie à côté. Je ne veux pas regarder la tempête devant. Je ne veux pas regarder la grêle derrière. Je ne veux pas regarder la fournaise sur ma gauche. Je veux juste regarder à toi parce que je sais que tes promesses sont réelles. Tu veilles sur elles pour les accomplir dans le précieux nom de Jésus. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, je viens au-devant de toi, Prince de paix. Je n'ai personne, Seigneur. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mon impuissance. Je reconnais, Père éternel, que je suis submergé de part et d'autre. Je reconnais, Père éternel, que je suis entouré de part et d'autre. Père éternel, par le doute, la crainte, le mal. Oh mon Dieu, mon roi, la haine, la violence. Je suis submergé, Père éternel, par la négativité sous toutes ses formes. Mais Seigneur, je sais une chose, Père éternel, c'est que quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je vis en ce moment, je suis persuadé d'une seule chose, mon Dieu et mon roi, c'est que tu es mon Dieu et que tu es vivant et que tout ce que tu as dit, tu l'accompliras et tu l'accompliras certainement. Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas un Dieu retardataire. Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas un Dieu absent. Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas un Dieu irresponsable. Et c'est parce que tu es fidèle, Père éternel, que tout ce que tu fais, oh Dieu, est majestueux. C'est parce que tu es fidèle et puissant que tout ce que tu fais est grandiose, mon Seigneur et mon roi. Je viens au-devant de toi ce jour, Père éternel, et je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. En disant, Père éternel, que je sais que tu feras, je sais que tu feras, Père éternel, ce que tu as accompli pour moi, Seigneur, oh Dieu, je ne peux que exprimer ma reconnaissance. Père éternel, malgré que je sois aujourd'hui, Père éternel, dans une situation où je peux porter des regards inquiets, je sais que tu feras. Je sais que tu feras pour moi, Père éternel, au-delà de mes pensées. Je sais que tu feras pour moi au-delà de mes incapacités. Je sais que tu feras pour moi, ô Seigneur, même si les choses montrent qui m'entourent, Père éternel, montrent, Père éternel, un horizon sombre. Même si les choses qui m'entourent montrent, Père éternel, des murailles d'inquiétude. Ô Dieu, je sais que ta parole est vraie. Je sais que ta parole est vraie. Je sais que tu ne mens pas, Père éternel, et que tu me sortiras de là.
Tu me sortiras du gouffre. Tu me sortiras de la boue qui m'empêche, ô Dieu, de lever les yeux vers le ciel. Je sais, Père éternel, que tu me sortiras, ô Dieu, du puits, Père éternel, dans lequel j'ai été jeté. Ô Dieu, de la même manière que tu l'as fait pour Joseph, ô Dieu, tu me sortiras de là, quelle que soit la forme que cela prendra. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, malgré que nous pouvons passer par du désert, malgré que nous pouvons passer par les tempêtes, malgré que nous pouvons passer, Père éternel, par le trouble. Ta parole est vraie. Et elle ne souffre d'aucun, Père éternel, d'aucune contestation. Seigneur Jésus, nous avons vu tes miracles. Seigneur Jésus, nous avons vu ton action, Père éternel, sur l'un ou plusieurs des membres, Père éternel, de notre entourage proche. Nous avons témoigné, Père éternel, des choses que tu es capable de faire. Aujourd'hui, nous te demandons de nous donner la grâce de tenir le regard, de tenir le regard fixé sur la croix, les yeux portés sur toi, quel que soit, Père éternel, ce que nous pouvons exprimer, ce que nous pouvons ressentir, les yeux portés sur toi, les yeux portés sur toi, Père éternel, les yeux portés sur toi, les yeux portés sur toi, Emmanuel, toi qui ne faillis pas, toi qui ne changes pas, toi qui ne trembles pas, toi qui ne scintilles, c'est-à-dire qui ne dépend d'aucune autre que de lui-même. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, papa, parce que tu nous donnes l'assurance, Père éternel, que quel que soit, Père éternel, le fait que nous traversons, Père éternel, par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons point. Alors je déclare que je ne crains pas, Père éternel, que ceci, ô Dieu, même ce que je traverse, sera pour ta gloire, afin que ta gloire soit encore plus éclatante, afin que ta gloire soit encore plus manifeste sur ma vie, afin que mon témoignage soit encore plus grand. Je le déclare, quel que soit ce que je vis en ce moment, je le déclare, ta gloire sera plus grande encore sur ma vie, quel que soit ce que je traverse en ce moment, je le déclare, ta miséricorde sera plus grande encore sur ma vie. Quel que soit, Père éternel, les phrases qui ont été prononcées à mon endroit, je les déclare, ta gloire sera encore plus grande sur ma vie. Quels que soient les échecs que j'ai essuyés, ô Dieu, et que je continue à échouer, je le déclare, Père éternel, ta gloire sera plus grande dans ma vie. Ô mon Dieu, mon roi, quel que soit ce que les gens peuvent penser, quels que soient les diagnostics des médecin, quel que soit, Père éternel, les devis réalisés, quel que soit, ô mon Dieu, mon roi, les paroles avancées, Père éternel, qui m'enfonce, quels que soient les mauvais témoignages qui m'enfonce, Père éternel, quelles que soient les mauvaises recommandations, mon Dieu, mon roi, je le déclare, ta gloire sera encore plus grande dans ma vie, dans le précieux nom de Jésus. Je prie non seulement pour moi, je prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, au son de ma voix. Que ta gloire soit encore plus grande dans chacune de leurs vies, Père éternel, malgré leurs défis quotidiens. Que ta gloire soit plus grande, malgré, Père éternel, leurs soucis quotidiens. Que ta gloire soit plus grande, Père éternel, malgré les inquiétudes, que ta gloire soit plus grande. Ô Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, Créateur de l'univers, nous avons besoin de toi et nous croyons en toi. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu miséricordieux. Nous n'avons pas, Père éternel, peur parce que nous savons, Papa, que tu feras au-delà de nos capacités. Nous savons que tu feras au-delà de notre entendement. Papa, nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur tes grâces, nous comptons sur tes faveurs parce que tu ne faillis pas. Tu ne faillis ni pour moi, ni pour ma sœur, ni pour mon frère, tu ne failliras. Papa, tant que nous portons les regards portés sur toi, nous savons que tu nous répondras parce que tu es le Dieu présent. Tu es le Dieu présent. Tu es le Dieu présent, tu n'es pas un Dieu dormeur, tu n'es pas un Dieu somnolent, tu es un Dieu actif et nous croyons en toi. Gloire à toi, Jésus, reçois toute la gloire d'éternité en éternité. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, qui est bon comme I love toi. you, Lord. Qui est bon comme toi, Emmanuel. For your mercy never fails me. Qui est bon comme toi, notre Dieu. All my days, nous t'aimerons I've been toujours, held in your hands. Nous t'aimerons toujours, notre Dieu.
Ta bonté nous poursuit, Seigneur. Nous ne sommes pas perdus, mais dignes de toi. Nous ne sommes pas dignes. Donne-nous de rester attachés. Donne-nous de rester cramponnés à toi, Seigneur. Oh Dieu, avec qui d'autre irons-nous? Toute ma vie, tu as été fidèle. Malgré mon infidélité, Père, tu as été fidèle. Malgré les fois où je me suis détourné de ta face, Père, tu as été fidèle. Oh Dieu, permets-moi de continuer de chanter tes bontés. Continue de chanter tes grandeurs. Ta grandeur. Ta grandeur, Jésus, elle est infinie. Elle est infinie pour mon frère. Elle est infinie pour ma sœur. Elle est infinie, Seigneur, ta grandeur. Permets-moi de continuer à réaliser à quel point tu m'aimes. Permets-nous de continuer à réaliser à quel point tu nous aimes, ô Dieu. Et donne-nous de manifester en retour cet amour à ton endroit. Donne-nous de manifester à retour cet amour à l'endroit de ceux qui nous sont chers.
Donne-nous de manifester en retour cet amour à l'endroit, Père éternel, de ce que tu mets au-devant de nous. Père éternel, car ton amour est la chose la plus précieuse que nous ayons. Ton amour est la chose la plus précieuse que nous ayons, El Shaddai. Ton amour est la chose la plus précieuse que nous ayons, Adonai. Merci d'avoir fait de nous des personnes bénies. Merci d'avoir fait de nous des personnes transformées. Merci d'avoir fait de nous des personnes changées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu demeure avec vous. Permettez-moi de partager ensemble ce matin dans le livre de Deutéronome au chapitre 1 à partir du verset 27. Nous lisons ensemble. Le livre de Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 27 nous dit: Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant: C'est un peuple plus grand et plus haut et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuit. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: Aucune des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset que nous allons partager ensemble en méditation ce matin, Dieu met en évidence le fait que les enfants d'Israël n'ont pas cru en lui. Il met en évidence que les enfants d'Israël, malgré tout le bien qu'il avait eu à faire pour eux par le passé, ont exprimé à son égard du doute. Du doute, de l'inquiétude, mais aussi, ils ont perdu totalement confiance en Dieu. Comment est-ce que, malgré tout ce que le Seigneur avait pu réaliser pour les enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte, ils pouvaient se permettre de devenir incrédules? Dieu leur rappelle tout ce qu'il a eu à faire pour eux avant. Il leur rappelle que, souvenez-vous, que pendant la nuit, il y avait un feu qui marchait devant vous pour vous montrer dans le désert le chemin, pour que vous ne vous égariez pas. Souvenez-vous que dans la journée, il y avait une nuée qui vous couvrait contre de la chaleur, qui vous couvrait des intempéries, qui vous couvrait des tempêtes. Il y avait une nuée que vous suiviez et qui vous permettait de vous orienter. N'avez-vous pas vu cela? Souvenez-vous comment, malgré les chars de Pharaon qui vous harcelaient, j'ai ouvert en deux la mer devant vous. Souvenez-vous que, malgré l'agitation et l'acharnement, malgré la peine que vous éprouviez dans le désert, j'ai trouvé le moyen de vous apporter à manger. J'ai trouvé le moyen de vous apporter de la viande. J'ai trouvé le moyen de vous nourrir. Le Seigneur
met en évidence toutes ces choses qu'il a réalisées lui-même et dont les enfants d'Israël ont été témoins par le passé, ces choses que le Seigneur a faites pour eux et que visiblement ils ont oubliées. Bien-aimés, la même situation se retrouve dans le livre de Marc, où nous trouvons une histoire dans laquelle nous voyons à quel point l'homme peut être oublieux. Une histoire dans laquelle nous voyons à quel point l'être humain que nous sommes peut être totalement sans confiance. Pourquoi je parle de sans confiance? C'est parce que dans le livre de Marc, il est question d'une histoire où les disciples sont pratiquement morts de peur lorsqu'ils ont vu la personne Jésus se retrouver en train de marcher sur l'eau, venant vers eux. La Bible nous dit qu'ils ont été saisis d'une épouvantable crainte. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont commencé à crier à l'aide, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme. La Bible nous dit que lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il c'était Jésus, Jésus a demandé à Pierre de venir vers lui. Voici des personnes qui, dans la journée plus tôt, avaient assisté à un miracle inédit. Des gens qui ont assisté comment Jésus a fait asseoir 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et leur ont donné, et leur a donné à manger. De la même manière que son père, il avait nourri le peuple d'Israël dans le désert, de la même manière, il réussissait à multiplier des pains et des poissons. Et au vu et au su de Pierre et de ses compères. Mais ce sont ces mêmes disciples qui, voyant Jésus marcher sur l'eau, étaient morts de crainte, étaient morts de peur. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Nous avons cette habitude de nous retrouver complètement oublieux des choses que notre Dieu a faites par le passé, manifestant ainsi notre foi limitée, manifestant, témoignant ainsi de notre manque de confiance patentée envers notre Dieu, ce qui n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Notre Dieu n'apprécie pas que parce que nous sommes confrontés à une situation difficile aujourd'hui, que nous puissions oublier que lui qui nous a guéris hier, il est encore capable de nous guérir aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une situation compliquée où nous ne voyons pas d'issue, nous oublions que lui qui nous a sortis d'une situation parfois même plus difficile hier, aujourd'hui, nous ne le voyons pas capable de nous sortir à nouveau de cette situation. Et du coup, nous murmurons, et du coup, nous nous plaignons, et du coup, nous allons à gauche et à droite parler, nous allons en haut et en bas nous plaindre, pleurer. Et lorsque le Seigneur voit cela, il n'est pas content. Dans l'Ancien Testament, nous constatons que les personnes qui ont vécu le miracle de Dieu par le passé se sont mises à douter de ses capacités à les délivrer devant les fils d'Anak, à les délivrer devant la muraille de Jéricho. Les mêmes personnes qui ont mangé la manne dans le désert. Les mêmes personnes qui ont traversé la mer à sec. Comment est-ce que tu peux traverser la mer à sec et tu viens devant un homme et tu as peur de cet homme après ce que le Seigneur a pu te faire voir par le passé, les miracles que le Seigneur a pu te faire voir avant? Je suis comme ça, tu es comme ça, nous sommes comme ça. Mais c'est une attitude que le Seigneur désapprouve. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui a fait pour nous des grandes choses par le passé est capable de refaire encore aujourd'hui, est capable de le faire demain, est capable de le faire dans les jours à venir. Il est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu éternel. C'est un Dieu qui ne change pas. Il est fidèle. Nous l'avons dit plus tôt. Notre Dieu est fidèle. Gardons sa fidélité.
S'il y a deux choses que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que nous devons avoir une foi totale en la fidélité de Dieu, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Nous devons avoir une foi complète en la fidélité de Dieu, car notre Dieu ne faillit jamais. La deuxième chose est que notre foi doit se manifester en ce que nous vivons dans le repos de Dieu. Nous travaillons dans le repos de Dieu. Nous bravons les défis dans le repos de Dieu, les défis de la vie, les défis de la santé, les défis des finances, les défis de l'amour, les défis de la fraternité. Tout cela, nous les bravons dans le repos de Dieu. N'est-il pas celui qui nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Le Seigneur n'a pas envie que nous nous comportions comme les gens du dehors. Il n'a pas envie que nous nous comportions comme des personnes qui n'ont aucune espérance. N'avez-vous donc aucune espérance, alors que notre Seigneur est notre espoir? Mon frère, ma sœur, reviens à Dieu, reviens à Christ. Lui qui a fait pour toi avant, il le fera aujourd'hui, il le fera demain encore. Bénissons le nom du Seigneur et disons-lui merci pour toutes ces choses qu'il a faites pour nous par le passé. Disons-lui que nous sommes décidés à ne pas oublier qu'il a été la solution hier, qu'il est capable d'être la solution aujourd'hui et demain. Prions ensemble. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Roi. Merci pour ta parole, car ta parole est vraie. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Roi. Merci pour ta justice. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu ne faillis jamais. Merci parce que tu fais pour nous au-delà de nos capacités, au-delà de notre entendement. Avec toi, nous sommes sauvés. Avec toi, nous sommes transformés. Avec toi, nous sommes bénis. Avec toi, Père éternel, nous avons l'assurance que rien ne pourra nous arriver tant que tu es à nos côtés. Aujourd'hui, nous constatons, Père éternel, qu'il nous est facile d'oublier tes bienfaits dans nos vies. Et ainsi, nous commençons à murmurer. Il nous est facile d'oublier que tu as réalisé pour nous davantage que quiconque. Et ainsi, nous commençons à promener les regards inquiets. Cette façon de faire, Père éternel, évidemment, dans ta parole, tu nous fais comprendre que tu n'apprécies guère. Tu ne l'apprécies pas. Et nous sommes coupables. Coupable d'avoir réagi ainsi. Je suis coupable d'avoir réagi ainsi. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi et donne-moi de croire en ta fidélité. Pardonne-moi et donne-moi de croire en ta bonté. Pardonne-moi et donne-moi de croire en tes faveurs. Pardonne-moi et donne-moi de croire en nouveau en ta capacité à faire au-delà de mon entendement. Ô mon Dieu et mon Roi, que tu es bon, que tu es merveilleux. À chaque fois que j'ai ouvert ma bouche pour murmurer, Seigneur, pardonne-moi. Car en faisant ainsi, j'ai oublié que avant, Père éternel, je me suis tourné vers toi et tu m'as répondu. Aujourd'hui, j'ai oublié que avant même que je n'ouvre la bouche, tu savais déjà ce dont j'avais besoin et tu avais déjà pourvu. Seigneur, ça j'ai oublié. J'ai oublié que avant, Père éternel, il y a eu des diagnostics pareils. Et tu m'as guéri avant même que je n'arrive à la pharmacie. J'ai oublié, Seigneur, qu'avant, ils ont vu des choses, Père éternel, dans leur machine. Et une fois que j'ai crié à toi, les mêmes choses qu'ils avaient vues avaient disparu. J'ai oublié cela, Seigneur, et aujourd'hui, je promène des regards inquiets. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et donne-moi de me souvenir de ce Dieu qui, par le passé, a fait pour moi et qui fera encore pour moi aujourd'hui. Donne à mes frères et mes sœurs de se souvenir de ce Dieu qui par le passé a fait pour eux et qui est capable de faire encore au-delà, Père éternel, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils entendent aujourd'hui. Tu es le Dieu qui ne change pas, Elohim. Tu es le Dieu qui ne change pas, El Shaddai. Tu es le Dieu, Père éternel, qui nous fait voir d'âge en âge, de jour en jour, sa fidélité et sa miséricorde.
Seigneur, merci parce que tu es puissant, puissant en toutes choses. Merci, Père éternel, parce que tu renverses les murailles de notre incrédulité. Merci, Seigneur, parce que tu renverses les murailles de notre manque de foi. Merci, Seigneur, parce que tu renverses les murailles, ô Dieu, de cette façon que nous avons de manifester le syndrome d'Alzheimer en nous, Père éternel, par rapport aux choses que tu as faites pour nous par le passé. Non, nous ne sommes pas Alzheimer, Père éternel. Nous croyons que ce que tu as fait avant, tu le feras encore dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, car tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours. Elle ne faillit pas. Elle ne change pas. Pendant que nous prions ainsi, mes frères et sœurs, nous allons prier pour la grande famille chrétienne. Nous allons demander à Dieu que, en ces temps difficiles que la Bible a prévus, nous voyons que la foi s'éloigne davantage de nous. Nous voyons que les gens se confient de moins en moins en Dieu. Nous voyons que la confusion est générale. Nous voyons que difficiles sont ceux qui s'attachent encore aux pieds du Seigneur. Nous allons prier pour toute la grande famille chrétienne. Nous allons demander à Dieu de solidifier son Église, de restaurer son Église, de restaurer sa maison. Que les cœurs reviennent à lui, que les cœurs se tournent de nouveau vers lui, que les cœurs s'accrochent à lui. Aussi longtemps que le monde est secoué par les vents et les marées, tout autour de nous, il n'y a que guerre et bruit de guerre. Demandons à Dieu de nous donner la capacité de rester plus proche encore de lui, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Yahweh. Nous voyons combien il est difficile de rester concentré. Nous voyons combien il est difficile de rester concentré, de rester attaché, de rester focalisé. Mon Dieu et mon roi, je veux rester, Père éternel, sur toi. Je veux rester près de toi, malgré les bruits, malgré, Père éternel, tout ce qui se dit, tout ce qui s'annonce. Je veux rester attaché à toi, mon Seigneur. Donne-moi la capacité de m'abriter sous tes bras. Donne-moi la capacité de me reposer en toi. Donne-moi la capacité, Père éternel, d'être le plus proche de toi qu'avant. Seigneur, oui, les moments sont difficiles et inquiétants. Père éternel, nous ne voyons pas, ô Dieu, la lumière. Nous ne voyons pas la lumière à l'horizon. Avec tout ce que nous entendons autour de nous, mais donne-nous de trouver refuge dans tes bras. Père éternel, ouvre nos yeux afin que nous voyons l'espérance qui est en toi. Père éternel, fortifie ton église, fortifie ta maison, fortifie tes serviteurs. Tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont persécutés, fortifie tes serviteurs, Père éternel, et apporte-leur le soulagement en toi. Donne-leur de trouver en toi le repos, le doux repos, Père éternel, que tu nous promets, le doux repos, Père éternel, que tu nous as promis et qui est effectif. Jésus-Christ de Nazareth, notre seul abri, c'est toi. Je prie aujourd'hui, Père éternel, que tu ramènes à toi les cœurs, que tu ramènes à toi les âmes, que tu ramènes à toi, Père éternel, toutes nos souffrances, que tu nous donnes, Père éternel, de venir les déposer à tes pieds. J'ai besoin de toi encore en ce moment plus qu'avant. Nous avons besoin de toi encore en ce moment plus qu'avant. J'ai besoin de toi, Emmanuel. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi. Ramène-nous au pied de la croix. Que ton Église se tourne vers toi. Que ton Église lève encore la voix davantage. Que ta maison, Père éternel, prépare ton arrivée. Que ta maison prépare ton avènement. Père éternel, que les vierges, Père éternel, s'apprêtent davantage, se sanctifient davantage. Père éternel, que nous puissions, ô Dieu, tourner les regards vers toi davantage. Ô Dieu,
Toi seul es notre refuge. Nous ne voulons pas nous abandonner aux inquiétudes. Nous ne voulons pas nous abandonner aux murmures. Toi seul es notre refuge. Fortifie tes enfants. Console ceux qui sont affligés. Console ceux qui sont affligés. Apporte la paix là où il y a la discorde. Apporte la paix là où il y a la haine. Apporte la sérénité là où il y a la jalousie qui naît. Apporte la sérénité, ô Dieu, là où l'inquiétude a pris le dessus. Jésus-Christ, parle à ton assemblée. Fortifie-les. Fortifie chaque membre. Fortifie chaque membre de ton corps. Fortifie-les, car tu es la tête. Tu es notre source d'énergie. Tu es notre source de vie, car tu es la vie toi-même, Seigneur. Donne-nous de nous tourner vers toi. Donne-nous de réaliser à quel point tu nous aimes et à quel point, Père éternel, tu n'as aucune intention de nous abandonner à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donne-nous de nous rapprocher davantage. Donne-nous de nous concentrer davantage. Donne-nous de nous dévouer davantage à toi. Ô Dieu, ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Nous t'aimons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon frère, ma sœur, permets-moi de prier pour toi. Seigneur, souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de mon frère. Je n'ai pas de mots, Seigneur, mais je sais que tu vois au plus profond de la nuit noire une fourmi sur une pierre noire. Quel que soit, Père éternel, ce qui est dans leur cœur en ce moment, quel que soit ce pourquoi ils gémissent, quel que soit ce pourquoi ils pleurent, Seigneur, apporte l'épanouissement, mon Seigneur et mon Roi. Apporte l'épanouissement dans leur vie. Apporte la lumière que tu es. Apporte la vie que tu es. Donne le sourire à mon frère à nouveau. Donne la joie. Procure cette joie à ma sœur à nouveau. Toi qui es le prince de paix, amène la paix dans le cœur de ma maman. Amène la paix dans le cœur de ton serviteur. Toutes choses sont sous contrôle avec toi. Je bénis chacune de ces personnes. Je bénis leur vie et je déclare que ta parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira encore. Comme par le passé, elle s'accomplira certainement. Sois à jamais glorifié, notre Dieu, dans la vie de chacun de tes enfants. Nous ne venons plus pleurer, mais nous venons témoigner de ta bonté à toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Je témoignerai et je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour ma sœur, ce que tu as fait pour ta maison. Ce que tu as fait, Père éternel, pour le monde, je dirai tout haut, Père éternel, la gloire de ton nom. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur voie vos sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Merci d'avoir partagé avec moi ces moments. Ma prière est que nous puissions développer davantage le désir de nous rapprocher du Seigneur, quel que soit le temps que nous faisons, que nos cœurs soient sincères, que nos cœurs soient dévoués, que nos cœurs s'ouvrent et s'abandonnent totalement à notre Dieu. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Soyez bénis et que le Seigneur accompagne vos œuvres. Merci et à bientôt. Amen.